Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. Que savez-vous déjà ? Eh bien, tout simplement, développer une application simple. Simple, mais professionnelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a vu que à peu près toutes les applications que vous avez développées, soit uniquement via storyboard, soit plus sérieusement avec le mode programmatique, eh bien, ont trouvé des pendants ou des quasi-pendants dans l'App Store. Donc ça veut dire que vous avez déjà la capacité de développer des applications simples qui ont un look professionnel. Vous savez déployer une application sur le simulateur, mais aussi sur les terminaux. Et vous savez gérer des vues avec storyboard et surtout de manière programmatique. Vous savez gérer la rotation et même le multitasking, c'est-à-dire cette présentation côte à côte sur des grands terminaux. Et puis vous savez gérer les différents terminaux de manière différenciée, en tout cas les reconnaître. On a vu plusieurs techniques pour ce faire. Alors, qu'allons-nous faire cette semaine ? Rassurez-vous, pas de retour en arrière, on reste en mode geek, pas de retour à storyboard, on n'en verra plus du tout, en tout cas dans le cadre de cet enseignement. On va en savoir plus sur les vues, en particulier je vais vous présenter des effets qui en jettent, comme on dirait, qui permettent de rendre vos applications encore plus sexy. Nous allons entamer un voyage au pays des vues, qui va se prolonger sur plusieurs semaines, et en particulier parce qu'on va visiter un ensemble de mécanismes prédéfinis qu'il est bon de connaître, et vous allez effectuer vos premières rencontres sérieuses avec le mécanisme dit de délégation, on a vu que c'est un mécanisme phare dans iOS, et qui est une forme de callback, mais avec une structuration. En fait, on a à la fois un petit côté interface à la Java, et puis la notion de framework que vous trouvez dans un certain nombre d'environnements. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.